sous ce rideau. J'arrive même pas à trouver la tête. Ah si, elle est là. Regardez-le. Presque fascinant. Je suis à peine arrivé, j'ai à peine eu le temps de me poser dans cette pièce, enfin juste derrière, il y a ce petit bruit de clochette qu'on vient d'entendre là. J'espère que vous m'entendez. Je pense que c'est un dispositif qui doit être juste dehors. Là, l'autre bruit que vous avez entendu vient au-dessus de ma tête. Qui doit taper. Bon, en tout cas, ça débute bien. En tout cas, bienvenue sur ce qui est le manoir Pavlovitch. Vous avez entendu un autre bruit? Enfin, je suppose que vous l'avez entendu aussi. Ah, mais regardez ce qu'il y a là. Regardez ce que j'ai trouvé. Tadam! Oh, qu'est-ce qu'elle est superbe! Coucou, toi! On l'est mal coiffé. Bah alors. Oh bah oui. Elle me fait un doigt. Le fameux jeu. Ok, cool. Qu'est-ce que tu dis? Ok, bien sûr. Ouais. Pas de soucis. Ouais. Oui, j'irai lui dire. Oui. T'inquiète pas. Cool. Allez, repose-toi bien. Trop belle. Et on entend à nouveau les tintements. J'arrive vraiment pas à savoir s'ils viennent du même terrain ou juste derrière. Ah, puis là, il y a l'escalier. Superbe. Donc là, c'est l'autre entrée de l'autre côté. Et regardez ce que j'ai trouvé. Un billard. Il y a eu un bruit en face, là. C'est un coffre-fort ici, regardez. Il est un peu en mauvais état, je dirais. Mais on peut jouer, hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Il est trop dur. Trop rouillé. Superbe. Ça tourne encore. Une horloge dessus. Ok, alors je sais pas si vous voyez la lumière au fond là. C'est un des voisins. Ce qui me fait penser que je vous ai pas expliqué pourquoi depuis le départ je parle vraiment doucement. Du coup je vais vous l'expliquer ailleurs. Alors le truc du coup c'est que le manoir Pavlovitch dans lequel on est aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, il est dans un quartier très spécial qui est un quartier de riches, qui du coup est très très surveillé et qui est totalement entouré par des rues qui sont tellement bien surveillées encore une fois, qu'il y a notamment des barrières, des gardiens pour y passer. Donc, en fait tout autour du manoir, même si lui est abandonné, on a des propriétés assez huppées on va dire, qui ont, vous savez, ce fameux panneau voisin vigilant, qui fait que du coup, discrétion obligatoire pour rentrer à l'intérieur. Mais quelque part, c'est ce qui rend aussi le lieu plus dur à avoir, plus sympa à explorer. Ah, quelqu'un d'autre, ça y est encore. Je sais pas si elle a envie de me faire un bisou ou d'aspirer mon âme. Au choix. Et hop là, regardez. En fait, le manoir Pavlovitch est connu pour cette pièce-là. Et exactement le petit objet qui est là et que vous avez deviné, qui est un piano. Et j'ai trop hâte d'aller le voir. magnifique. Il est vraiment trop beau. Pourtant, on sent qu'il a pris cher. Et là, ici, on a un superbe escalier. Regardez, superbe. Encore les colonnes présentes en haut. Allez, c'est parti. Hop, donc nous voici en haut de l'escalier. Il y a encore quelques moulures en intact et surtout non taguées. Elles sont vraiment magnifiques. On dirait qu'il y a une sorte de... comme des carreaux sur la fenêtre. Et puis celui-ci, il est prêt à tomber. Ouais, ça c'est un peu dangereux. Avec... hop... oh, superbe. Il y a directement notre escalier. Qui lui a quand même moins la classe, on va dire. Il y a des souterrains. Mais c'est une cuisine. Ah mais regardez. J'arrive à passer à travers le... mur pour voir la... Et le souterrain, il est là. Alors je pense que vous l'entendez au micro, mais là l'ambiance est totalement différente. Puisqu'on est dans le sous-sol et il n'y a plus d'air. L'espace est bien plus confiné. Tout est même plus humide ici. R2. Waouh, qu'est-ce qu'elle est creepy celle-ci. Coucou. Ah, si on devine ma main. Et c'est très flippant. On a l'impression que des choses peuvent passer par les tuyaux. Je suis vraiment au fond du château. Je trouve une vieille cassette. Studio piano. Alors du coup, ce manoir, il est vraiment super cool. C'est fou parce que quand je me mets à parler, bah, tous mes autres sens, il y a mon attention. Et du coup, je l'extrapole tout. Ce qu'il y a autour. De la conscience, son but est de donner de la cohérence et de la continuité à toutes nos sensations, nos perceptions, par le souci d'être justement focus sur une seule tâche. Il y a pas mal de perceptions que l'on n'a pas constamment. Par exemple, le poids de nos vêtements, on ne le ressent pas constamment sur notre corps. Et dès que je me mets à parler, je me concentre tellement sur mes paroles, sur ma parole, que mes autres sens ne sont plus du tout conscients, et chaque moindre petit bruit ou quoi que ce soit me fait sursauter. À tel point que je me rends compte que je ne m'arrive pas à quitter du regard l'autre pièce, qui est la grande pièce de l'autre côté. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le manoir est vraiment superbe. C'est un manoir vraiment style... moi, je sais pas quel style c'est d'ailleurs, qui pourrait ressembler à du haussmannien à Paris, avec ses moulures, ce piano... Et puis il y a toutes ces petites poupées aussi qui donnent cet aspect creepy. D'ailleurs, vous vous rendez pas compte, mais là, la caméra est exactement sur une des poupées. Ça va? Ça te dérange pas? Tu vas bien? Sûr, hein, dis-moi. Ok, cool. Quoi? Ok. Ok. Non, pardon. Pour l'instant, c'est assez calme. Après, il y a encore les pédales de sustain sur le piano. C'est une touche qui marche, qui fonctionne. Oh, mais non, mais oui. Oh, trop bien. Vous vous rendez compte vraiment si j'avais entendu ce bruit-là, mais depuis une autre pièce, ça aurait été tellement flippant. Attends, j'ai du bruit en plus, merde. Trop stylé. Bon, regardez pas ça encore. conclusion comme ça. Et cette incroyable stabilisation. On se dit à la prochaine, je sais pas quand du tout. Peut-être qu'on fera autre chose qu'un château pour changer. Ou un autre château, parce que ça change tout le temps. Il est 3 h du mat, et sur ce...